Elle revient sur les terrains pour lui. Simon Baupin offre un nouveau souffle à Lou Broulot. C'est celle-là qu'il ne faut pas faire. Lou apporte son expérience à Simon. Garde bien la sécurité avec le filet. Hein. Et lui donne confiance en lui. C'est bien là, non? Ensemble, ils forment un duo hors du commun. Il y a très peu de mecs qui sont coachés par des filles. Hein. Ouais, ouais, je pense. Donc que... c'est une approche différente. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient accepté d'avoir une fille, et une fille assez jeune en plus. Ah, c'est vrai qu'au début, quand on m'a proposé de travailler avec Lou, j'étais un peu surpris, quoi, parce que ça se fait, comme je disais, ça se fait pas trop. Et puis, finalement, de toute façon, il faut donner sa chance au produit. Et voilà, quoi. Un produit de qualité, puisque Lou Broulot a été 15e joueuse française. Combative, opiniâtre et surtout avec une envie de transmettre. C'est ce qui a plu à la fondation Open Spirit qui les a réunis l'été dernier. Une fondation qui aide à la progression des jeunes espoirs du tennis belge. J'ai jamais imaginé revenir en tant qu'entraîneur et encore moins d'un garçon. C'est différent, c'est une autre énergie, vraiment. Il faut s'adapter aux joueurs. Quand il m'a dit « Ah ben, je vais peut-être jouer Poitiers », j'ai dit « On y va, ça va être sympa, tu seras comme à la maison vu que moi je suis à la maison ». Puisque c'est ici, en Poitou-Charentes, que tout a commencé pour Lou. Ses premières balles, la compétition, le Pôle France, l'INSEP et une carrière professionnelle. J'ai l'impression de pas avoir quitté ce club et l'odeur de la salle. Et quand on revenait à Noël avec mon frère taper ici, de revoir les gens et personne n'a changé vraiment. Je reconnais tout le monde. Ça doit faire 10 ans que j'ai pas mis les pieds ici, mais je reconnais tout le monde. Et ouais, c'est nostalgique. Je dirais que c'est mes meilleurs souvenirs, mes meilleurs débuts. J'aurais pas mieux commencé, je pense. Son retour ne passe pas inaperçu. Moi, je l'ai vu jouer. T'es bonne, en tout cas. Non sans émotion. Un peu fier, un peu ému. Un peu ému et puis, comme je te le dis, c'est plein de nostalgie. Il y a plein de bénévoles qui sont là. J'ai monté avec eux X fois les tribunes, installé des moquettes. Cela fait moins d'un an que Lou a commencé à entraîner Simon et depuis, il a déjà remporté 4 tournois. Le début d'une collaboration pleine d'avenir. C'est sûr qu'elle me pousse. Après, on communique beaucoup. On a quelques semaines dans l'année, donc c'est pas encore suffisant pour faire une saison complète. Mais c'est sûr que ouais, on travaille bien. C'est comme ça que je vais progresser. Simon Baupin dispute ce 34e Open de Poitiers en simple et en double. Toujours en lice aujourd'hui, sous l'œil aguerri et bienveillant de sa coach poitevine.